Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après avoir violemment écarté Cyril Gane de son chemin, le jeune Joe n'a pas fait de mystère sur celui qu'il veut corriger ensuite. Il s'agit du goat des poids lourds, Stipe Miocic. Très impatient, Bones s'est permis une sortie provocatrice envers son rival sur Internet. Il l'a accusé en substance d'être un lâche. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Jeune Jaune est en mode bulldozer, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Certains prédisaient son déclin suite à un hiatus de 3 ans, mais l'Américain a enchaîné une préparation aussi sereine qu'efficace. Résultat des courses, la démolition du pauvre Cyril Gane en main event de l'UFC 285. Comme revigoré par ce retour au premier plan, Johnny ne s'arrête plus. Il veut le scalp de Stipe Miocic, et le cri haut est fort. Si un combat avait rapidement été évoqué en juillet, Jaune n'a pas vraiment eu de nouvelles du titan d'origine croate depuis. Alors sur les réseaux sociaux, il a décidé de lui envoyer un gros coup de pression ce jeudi soir, en laissant le respect au vestiaire. Voilà de quoi faire sortir Miocic de sa tanière. Il a donc déclaré « Les gens qui ouvrent leur gueule sur Twitter, et moi qui me concentre sur mon entraînement, et qui n'en a rien à foutre ». Clair. Fidèle à lui-même, Stipe n'entend pas faire de polémique sur les réseaux sociaux. Il compte tout simplement laisser parler ses talents dans l'octogone. Face à cette attaque inattendue de son futur adversaire, il a tout de même été obligé de réagir en confirmant l'essentiel. Un combat se déroulera bel et bien entre les deux monstres en juillet. Miocic réussira-t-il là où Gane a échoué? A l'évidence, Jaune semble davantage respecter son compatriote américain, qui possède des références plus solides. Notamment des victoires contre Francis Ngannou et Daniel Cormier entre autres. Rappelons tout de même que Miocic reste sur un revers infligé par le Predator via KO lors de l'UFC 260. Stipe Miocic a beau dire qu'il n'accorde aucun intérêt à ce qui est dit sur les réseaux, le colosse a tout de même tenu à vie couper court aux rumeurs. La réponse est non, il ne se débinera pas. Et oui, il a hâte d'en découdre avec Jeune Jaune, au mois de juillet. L'opération discrédit de Johnny fait plouf, et la tension monte déjà en vue du duel.